de la méthode. Il est avec nous ce soir. Le nouvel album s'appelle Morphologique. Applaudissez Sinclair qui est avec nous. Christophe Sinclair, ça va bien? Super. Assieds-toi. Vous aimez Sinclair, le nouvel album de Sinclair, Morphologique, qui est sorti le 16 octobre. C'est ça, il y a le nouveau single, il s'appelle À chaque seconde, Notre Ombre. Et il y a une tournée dans toute la France prévue en 2007. Voilà ce qui nous attend. Avant d'en savoir plus avec Cécile, petit parcours rapide. Pour ceux qui seraient restés bloqués, Sinclair, c'est ça. De Sinclair, vous le découvrez maintenant. Regardez images et sons. Trois de bonsoir, chacun pour soi, et on le se perd à chaque seconde, mais on n'est jamais l'autre seul au monde, et on le se perd à chaque seconde, mais on n'est jamais l'autre seul au monde. Et avant d'aller plus loin, Cécile, des petites choses sur Sinclair. Oui, un petit truc. Tu as fait une interview un jour avec quelqu'un dont le but est de conduire pendant une heure et demie et pendant qu'il te pose des questions. C'est le concept de l'émission? Oui. Ah ouais. Et à la dernière minute, après une heure et demie de route, il t'a posé une question, l'ultime question qui était, est-ce que tu te souviens? Il m'a pas demandé si j'avais mon permis, un truc comme si. Ça. Et tu l'avais pas? Bah non. Bah non. Ah, c'est-à-dire que tu fais l'émission, tu conduis pendant une heure et demie et... Non mais j'ai un problème avec la voiture, j'aime pas du tout la voiture. C'est-à-dire? Tu l'as loupé combien de fois ton permis? Non, je me suis inscrit il y a 18 ans. Ah ouais? Ils t'attendent encore. Ah ouais? C'est certain. Bah ouais. C'est un problème relationnel, tu n'y arrives pas au volant. Non, je me sens pas bien en voiture, je me sens pas bien. Non, ce truc qui me ferait acheter une voiture aujourd'hui, c'est pouvoir écouter de la musique et transporter des gens que j'aime bien. Voilà, super. C'est un bon concept. Ça fait cher l'autoradio quand même. Bon, alors en plus, t'aimes pas la voiture, t'étais presque à deux doigts de pas être chanteur. C'est vrai. C'était pas ta première passion? Non, c'est vraiment... c'est un truc qui m'est tombé dessus. Parce que ceci dit, chez moi, j'avais de quoi faire de la musique, j'avais un micro, et puis un jour, je me suis mis derrière, je me suis mis à chanter, j'ai trouvé ça vraiment génial. Quand t'étais en cours de musique, tu t'es quand même fait virer. Ouais, c'est vrai. Mais fallait voir les cours de musique aussi. Ah, toi aussi, t'as eu droit, là. Au pipeau. On y a tous eu droit, je crois. Ouais, le pipeau. Mais c'est vrai que t'as failli travailler dans les effets spéciaux. C'était ouais, mon rêve, c'était de faire des effets spéciaux pour le cinéma. Et tu t'es même fait une sorte d'alien numéro 2. Ouais, je faisais des films chez moi, c'est ça. Je n'allais pas à l'école et je m'amusais à faire ça. Avec des effets spéciaux de ouf. Oui, il paraît que tu peux faire Alien avec une pizza. Ouais, c'est un... Putain, vous êtes bien enseigné quand même. Comment ouais, on fait Alien avec une pizza? Bah, on prend une vraie caméra bien pourrie et c'est vrai qu'en mettant quelques éclairages, ça peut faire Alien. Enfin, personne n'y croyait. Hein. Mais il fallait la prendre de l'autre côté et puis l'ouvrir... Ah oui, comme ça, quand ça s'ouvre, ça fait gorge de l'intérieur. Mais il fallait mettre la caméra en dessous, parce que si tu l'ouvrais dans l'autre sens, enfin, si tu l'ouvrais dans le bon sens, il n'y avait plus rien. Mais il a du chorizo et des anchois en lui. Voici une nouvelle séquence de l'émission qui s'appelle le « Que oui, que non ». Que oui. Que non. Que oui. C'est le « Que oui, que non ». Le « Que oui, que non ». Quel beau jingle. Oh, le jingle le plus pourri de la Terre. Mais le... Bon, le que oui, que non, le principe est extrêmement simple. Je vais te poser des questions, en 30 secondes, ça va très vite. Tu dois me répondre que oui ou que non. Je vois le niveau. Qu'est-ce qu'on a comme idée? C'est toi le premier, c'est toi qui inaugure. On a de la chance, hein. T'es prêt? Que oui. Top chrono. Est-ce que ça te dirait un jour de l'an la montagne? Toujours. T'aimes bien, oui ou non? T'aimes bien la mousse au chocolat? Que oui. Déjà gagné au tiercé? Que non. Tu prends plus de 2 cafés par jour? Que oui. Déjà piqué dans le porte-monnaie de ta mère? Que oui. T'as menti aujourd'hui? Que oui. T'as déjà regardé un épisode de l'année des garçons? Que non. Déjà fait l'amour dans un ascenseur? Que non. Déjà fait une couleur de cheveux? Que oui. Déjà dormi tout habillé? Que oui. T'aimes bien le brocoli? Que oui. Déjà regardé un film au cinéma en portugais? Que non. Déjà eu des hémorroïdes? Que non. Déjà regardé un film X? Que oui. T'es déjà cassé un bras? Que non. Le soir tu fermes la porte à clé avant de dormir? Que non. Est-ce qu'avant de rentrer dans l'eau tu te mouilles la nuque? Que oui. T'as déjà vu un match de foot dans un stade? Très bien, très bien. Écoutez, je note. Très bien. 17 réponses en 30 secondes. Je note, nous aurons bientôt la finale du que oui, que non. 17 réponses en 30 secondes. Ah, tu te mouilles la nuit. T'as jamais regardé l'année les garçons? J'avais mal compris la question. Jamais regardé l'année les garçons à la télé? Non, non. Non, par contre, moi, j'ai retenu les films porno, hein, je le dis tout de suite. Bon, est-ce que ouais, mais à un moment, il faut s'y mettre. Oui, à un moment donné, il faut regarder. Il y a plein de gens qui n'en ont jamais vu. Tout le monde a déjà regardé, moi, par ailleurs, un film porno. C'est pas vrai. Tout le monde. Harry, t'as déjà regardé?
Oui. Bah évidemment, évidemment. C'est pas par erreur. T'as déjà regardé. Hein? C'est pas par erreur, mais... Non, oui, mais bah, volontairement. Oh, Joey, on demandera pas, pour nous. Et peut-être pas. C'est là qu'il nous dit, eh ben non. Eh ben non, jamais. Eh ben jamais. Jamais, mais tout le monde a déjà vu. Jamais on tout sert au monde.